Donc je reprends, et qu'il y a des hommes et des femmes qui se font manipuler par d'autres hommes et femmes, c'est-à-dire un homme. Mais combien de villes, dans combien de... parce qu'il y a les villes, il y a les départements, il y a ceux aussi qui ont fait le choix de vivre dans des lieux tranquilles, mais peu importe vos fils et vos filles. Bon, après, il y a d'autres sections, parce qu'il y en a, bon, c'est des grands-parents, il y a, bon, bref. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les hommes, ces hommes-là et ces femmes-là, vous, au niveau de leur famille de l'autre côté, eh ben, ils se font arnaquer. Alors, ils se font arnaquer, parce que il y a des hommes, ils se font arnaquer par femmes. Femmes qui, mais il y a l'inverse aussi, qui ne viennent jamais au rendez-vous. Jamais. Pas une fois. Et à chaque fois, ils font de l'espoir, que ce soit ces hommes ou ces femmes, qui vont venir au rendez-vous. Sauf que, ils ont toujours des bonnes raisons qui font qu'ils ne peuvent pas venir au rendez-vous. Bon, et vous leur savez ce qu'ils leur disent? Moi, je vais vous dire ce qu'ils leur disent. Ils leur disent, alors, des fois, c'est qu'ils sont retenus en famille. En famille. Et parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont célibataires. Pour d'autres, ils disent qu'ils sont en couple avec un homme ou une femme qui vivent ensemble. Et même qu'il y a des enfants. Alors, moi, ça va pas. Non, dans tous les cas, ça ne va pas. Parce que écoutez bien, il y en a, ouais, certes, ils sont célibataires. Certes, il y en a, ouais, certes, ils sont en couple. Mais ils se foutent royalement de vos... Ben, des hommes de votre famille et des femmes de votre famille. Qui, eux, espère qu'un jour, je passe tous les détails, ok? Vivent ensemble, ok? Et ils sont ben, les esclaves de ces femmes et de ces hommes qui se foutent royalement de leur gueule, si je puis le dire ainsi, hein? Bon. Et que... ils ne viendront jamais au rendez-vous. Jamais. À chaque fois, ils y vont et ils font de l'espoir de les voir au rendez-vous. D'accord? Tous ces hommes et ces femmes, qu'ils soient célibataires ou en couple, ne leur donneront jamais ce qu'ils veulent. Non. Alors, parce qu'il y en a, c'est des... comment on s'appelle? Comment on appelle ça? Des brouteurs et des brouteuses. Et attention, il y en a de partout. Il y en a en France. De partout, les brouteurs, hommes et femmes, sont partout. Ensuite, il y a ceux et celles qui ont un homme dans leur vie. Et ils sont très heureux en ménage. Il y en a, ils ont des enfants. Il y en a, ils n'en ont pas. Mais ces femmes et ces hommes, si vous voulez, aiment, si vous voulez, savoir que vos fils et vos fils et vos fils et vos filles sont en adoration sur eux. Ils adorent savoir que ils se déplacent pour rien. Ils adorent savoir qu'ils sont comme des couillons et des couillonnes au point de rendez-vous. Et qu'ils sont là à attendre parfois longtemps que les mecs ou les nanas viennent. Pendant ce temps, eux, eh ben, ils font leur vie avec leur mec ou leur nana. Alors, bien entendu, ces hommes et ces femmes vivent ensemble. Ok? Il a... travail des deux côtés. Ok? Bon. Si c'était vrai que parce que les hommes ne sont pas là
Et parfois, c'est inversé. Il pourrait, oui, sortir et aller les voir. Vos fils, vos filles, ce que vous voulez. Mais ils n'y vont jamais. Et que, en définitive, pour ces hommes et ces femmes qui partagent la vie avec quelqu'un, c'est pas ce que je vous ai dit, l'autre cas, ça les, je sais pas, je veux pas dire ce mot-là, mais parce que c'est un peu cru, ok, mais ça les fait jouir de savoir que vos fils et vos filles sont à un point de rendez-vous, mais qui ne viennent pas. Combien de fois ils sont arrivés avec des présents et que, ah ben non, personne. Alors, bien entendu, ne vous inquiétez pas, ils ont trouvé des solutions. Ah si, parce qu'il y a toujours solution. Il y a quelque part où tous ces mecs, les pauvres et ces nanas, se laissent et déposent soit de l'argent, soit des cadeaux matériels. C'est dégueulasse. Et que si on regarde bien, ben, ils profitent de vos fils. Au pluriel et de vos filles au pluriel. Il y en a. C'est grave. Et qu'ils font de la route en plus pour ça. Si, ils font de la distance. Ah, mais c'est grave en fait. Et que vos enfants, adultes bien entendu, se rendent malades, c'est-à-dire pour des hommes et des femmes qui ne verront jamais en réel. Ils ne viendront jamais au point de rendez-vous. Que ça soit les brouteurs, attention, parce qu'il y en a même en Europe, que ça soit les autres qui, oui, existent maintenant, vraiment, mais qui se foutent de leur gueule. Donc, que ça soit des brouteurs ou que ça soit vraiment qu'ils existent vraiment, ils se foutent de leur gueule. Et que jamais ils obtiendront ce qu'ils veulent de ces femmes et de ces hommes qui profitent d'eux et d'elles. Oui. Et que de toute façon, quand par exemple, ils viennent vous voir, il n'y a jamais l'homme ou la femme en question. Et que pour certains, ils doivent vous dire qu'un jour ou l'autre, ils vous présenteront l'homme ou la femme. Et que ça n'arrivera jamais. Alors, il y a le cas des brouteurs qui se foutent de leur gueule. Et après, ceux qui existent vraiment. Mais ils sont très heureux en ménage avec le mec ou la nana. Et qu'il y ait des enfants ou pas. Donc c'est grave. C'est. Et que il leur parle. Il y a oui, il y a contact. Il y a des contacts, mais toujours, c'est ah ben j'ai pas pu. Ah ben je suis désolé, j'ai pas pu. Mais c'est grave en fait. Parce qu'ils les prennent pour des cons. Que ça soit les brouteurs ou ceux qui réellement existent, nous, parce que de toute façon, quelque part, c'est des brouteurs. C'est grave quand même. Hein. C'est grave de faire croire à vos enfants qu'un jour, ils seront en couple. Et qu'un jour, ils viendront tous, oui, ils viendront vous voir. Et inversement, et ça n'arrivera jamais. C'est triste quand même. Hein. Et que il ne les aime pas. Non, c'est ce truc de savoir que il y a hors brouteur, hein, que il y a des hommes et des femmes qui sont en obsession sur eux et qui les aiment et qui feraient n'importe quoi pour eux et elles, mais ils ne les aiment pas et ils les empêchent de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors que eux, ces mecs et ces nanas, ont quelqu'un dans leur vie. Mais j'ai d'autres cas. Ah si, vous voulez d'autres cas? J'en ai d'autres qui sont célibataires. Qui attendent l'homme ou la femme qui va leur faire chavirer leur cœur. Et pendant ce temps, qui se servent de vos fils et de vos filles. À chaque fois, ils les font déplacer, ils viennent jamais. C'est grave. Hein. Ils n'arrêtent pas de dire qu'un jour, ils seront réellement en couple. Sauf que c'est pas du tout le profil qui les intéresse. Du coup, ils se servent d'eux.
Et ils ne viennent pas au point de rendez-vous. Donc, ils se servent de vos fils et de vos filles. Et que, bon, vous, de toute façon, vos fils et vos filles, ouais, d'accord, sont adultes. Mais ils se rendent malades pour des gars et des nanas qui n'en ont rien à faire à eux. Et qui attendent le mec ou la nana qui va leur faire chavirer le cœur. Et que tôt ou tard, ça va arriver. Et que vos fils et vos filles vont tomber en dépression à cause de ce genre de nana et d'homme qui ça passe un peu le temps, ça les occupe. Ouais, mais ils se foutent d'eux. Il y a ce cas-là aussi. Donc c'est grave en fait. C'est grave de se dire que il y a tous ces profils-là. Il y en a même qui pensent, enfin, ces mecs, concernant ces nanas, oui, les nanas, qu'un jour, ils auront des enfants ensemble. Alors que ça n'arrivera jamais. Et ce genre de nanas, comme de mecs, parce qu'on peut avoir l'inversion, se servent de vos enfants. Et petit à petit, ils sont en train de les détruire. Alors qu'ils pourraient rencontrer d'autres hommes ou d'autres femmes. Qui eux et elles les aimeraient pour de bon et ils se servent d'eux. C'est grave. Mais attention, dans tous les schémas évoqués, tous ces hommes et toutes ces femmes, dans tous les cas possibles que j'ai évoqués, un jour ou l'autre, ils vont avoir le karma sur la tête. Ah ben si, si, parce que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est moche quand même, non? Parce que dans tous les cas que j'ai évoqués, ils se servent des gens. Et qui a dit que on se sert des gens? Alors, en général, là, en plus, il y a toujours quelque chose à y gagner. C'est des cadeaux, du pognon, dans tous les cas évoqués. Et que c'est grave, en fait. Puisque si on regarde bien, dans tous les cas possibles et imaginables qu'on me transmet, il n'y a que d'un côté qui sont amoureux. Et que de l'autre côté, de toute façon, ils se foutent de leur gueule. Donc c'est grave en fait. Mais c'est très dur. Ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Ils n'arrivent pas de même à se rendre compte que dans tous les cas possibles et inimaginables, on se fout de leur gueule. Et c'est ça qui est grave en fait. Et que même si, par exemple, vous leur parlez et que vous leur dites, bon... Allez, fais voir tous tes. Ah non, parce qu'en général, ils sont sur les réseaux. Allez, fais voir. Je veux tout voir maintenant. Que ça soit des mères, que ça soit des pères, que ça soit des grands-parents, des frères, des sœurs, ce que vous voulez. Ben, ils vous diront non, mais. Non, mais ils vous diront, je vous jure. Ah non, mais un jour, on sera en couple. Un jour, je vais vous les présenter. Mais ça n'arrivera jamais. Et que à petit feu, ils les détruisent. Et que le seul moyen que vous avez, c'est de rentrer en communication avec ces hommes et ces femmes et de leur dire ce que vous pensez d'eux. Parce que vous savez, hein, qu'est-ce qui empêche physiquement de rencontrer. Allez, peu importe les cas, rien. Et puis, plus les mois, les années, les mois vont passer et rien n'avancera entre ces hommes et ces femmes. Et que vous, de l'autre côté, au niveau de la famille de ces pauvres victimes d'hommes et de femmes, la seule façon de les sauver, c'est de rentrer en contact avec ces profiteurs et profiteuses et de leur dire ce que vous pensez. Et vraiment, en général, vous risquez de vous mettre à dos, si, vos fils et vos filles au pluriel, pour ces mecs et ces nanas, peu importe les schémas. Qui ne jurera que par ces mecs et ces nanas. Qui les prennent pour des cons, peu importe les schémas. Mais si. Alors que faire? Vous allez donc laisser vos fils, vos filles, vos petites filles, vos petits-fils, que vous voulez, dans ce genre de situation? Où ils vont s'engloutiner
De plus en plus. Et en général, ils sont très gourmands de l'autre côté. Alors que faire? Pas grand-chose, malheureusement. Parce qu'ils ne vous croiront pas. Non. Alors que faire? Bah, les laisser s'enfoncer jusqu'au trou du trou. Eh ouais. Mais, tôt ou tard, ils vont ouvrir les yeux, que ce soit les brouteurs, que ce soit ceux qui sont en couple réellement, ou ceux qui sont célibataires, car... Oui. Mais quand ça va arriver, ben ils vont être dans un sale état. Parce que tôt ou tard, ça arrivera. Tôt ou tard. Alors, vous avez intérêt à être là pour ces hommes et ces femmes de vos familles, je vous le dis. Parce qu'ils vont être dans un état. C'est quel état? Ben, vous les verrez plus. Ils vous répondront plus au téléphone, au message. Grosse, gros blackout à cause d'hommes et de femmes horribles dans tous les schémas possibles et inimaginables. Et que ceux Ceux qui qui... font ça, eux, c'est se remplir les poches, que ça soit de la liquidité ou des cadeaux. Ou alors, bon, ben, de temps. Ouais, et puis bon, des petites discussions, ça fait passer le temps. Mais tous et tous se remplissent bien les poches au passage. Que ça soit sur de la liquidité ou autre chose. Et c'est grave en fait. Dire que sur notre planète, il y a des hommes et des femmes qui existent comme ça. C'est grave, hein? Et que peu importe les schémas, ils auront le retour karmique. Ah, mais si. Ils auront des malheurs dans leur vie. Hein. Croyez. Ah, mais si. Alors, déjà, en priorité, ils veulent les faire payer à eux et à elles de se foutre de la gueule d'hommes et de femmes qui sont sincères. Si, ils peuvent le faire payer. D'abord, parce qu'ils disent quoi? C'est ces hommes et ces femmes qui se moquent. Royalement des vrais sentiments que ont ces hommes et ces femmes, bon, hein, dans tous les schémas. Bon. Ah, eux, vous savez, là-haut, ils ont le temps. Ah, ils ont le temps. Mais ils les feront payer. Alors, vous savez, même ces ordures d'hommes et de femmes ont un cœur qui bat à l'intérieur. Si, mesdames et messieurs, c'est dur à croire, mais si. Ils ont un cœur. Ah, ah, ils ont un cœur, tous et tous, qui bat. Et que même les pourritures de brouteurs tombent amoureux. Oui, réellement. Et que ils vont le payer avec un homme ou une femme. Alors, il y en a, ils n'ont pas encore rencontré. Mais vous savez, là-haut, ils ont le temps. Ah, ben, c'est pas comme nous. Après, il y en a, ils sont en couple, mais ils vont le payer. Ah oui, avec leur mec ou leur nana. L'enfer sur terre. Après, quand c'est pas les brouteurs, et qu'il y a des mecs qui, et des nanas qui sont en couple, mais qui se foutent d'eux, eh ben ils vont le payer dans le couple. Ah, mais si. Ah, si. Ah, et puis ceux et celles qui attendent le prince charmant, lui, ou la princesse de leur vie, et que ils se moquent d'autres mecs et de nanas, eh ben, ah, si, ils vont rencontrer le prince lui, mais ils vont vivre l'enfer avec. Ah, mais si, œil pour œil, dent pour dent. Ah, si. Ils vont pas le faire payer à d'autres. Ils ont le temps. Ah, ben, c'est pas comme nous, c'est pas des. ben, c'est pas des terriens, hein. Donc, ils ont le temps. Ah, c'est toujours comme ça. Et puis, ils peuvent rajouter des éléments à ces hommes et ces femmes. Ah, mais si. Si, par exemple. Ils vous rendent malade. Oui, blackout, dépression. Ah ben, ils vont le faire à vous. Parce que quand ils sont heureux en amour. Mais si, vous allez voir. Ah, et puis c'est pas ça, pas que. Hein. Si, par exemple, ils vous ont fait quelque chose concernant le pognon, ben, ils vont vous le faire avec l'autre. Avec le nouveau mec ou la nouvelle nana que vous allez aimer. Ah, mais si, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est toujours comme ça.
Mais eux là-haut, ils ont le temps, hein. Ah, mes amis, ah, vous savez, c'est pas des vivants, hein. Et ils attendent. Ah, ils ont le temps. Et puis, vous savez, ces hommes-là et ces femmes qui sont éperdument, oui, dans tous les schémas possibles, vous savez que pendant ce temps, ils ont une vie sentimentale, si. Et qu'ils font d'autres rencontres et qu'ils profitent d'autres hommes et femmes qui tombent amoureux, ça arrive. Ah, si. Ah, mais si. Et ils les rendent malades pour des hommes et des femmes qui les prennent pour des cons. Ouais, aussi. Ah, mais si. Et que vos enfants vont le payer aussi. Mais si, œil pour œil, dent pour dent. Ah, mais si. Attention. À tout se paye. C'est-à-dire que vos fils et vos fils, filles, par exemple, pendant ce temps, se distraient avec d'autres. Si. Et qu'ils vont le payer aussi. Ah, mais si! Parce qu'on n'utilise pas d'autres hommes et femmes en attente de ceux qui les prennent pour des cons dans tous les schémas possibles et inimaginables. Du coup, vos enfants sont comme les autres et qu'eux aussi vont le payer. Ben, de la même manière qu'ils rendent malades, tout ça, tout ce qu'ils font, oui. Que ceux qui les aiment, par exemple, sincèrement. Ah ben si, eux, vous savez, hein, ils font pas de quartier. Parce que, pendant ce temps, ils font des rencontres. Ils discutent sur les réseaux. Ils rencontrent des gens. Et parfois, même, ils couchent et tout. Si, mais ils vont le payer aussi. À moins que ils se rendent compte que c'est pas bien. Ah ouais, mais même s'ils font marche arrière, ils ont fait des choses. Donc ça, eux, trop tard. Ah si, vous savez, là-haut, voilà. Et puis il y a les ancêtres de tout le monde. Ah, si. De ceux qui font pas du mal à des mecs. Il y a les ancêtres des nanas sincères. Les ancêtres des gars sincères. Hein. Et puis, il y a les ancêtres des autres. Dans tous les cas possibles. Et que de tous les côtés, ils disent, mais putain, putain, qu'ils sont gogoles, les mecs de notre famille, de notre arbre. Mais ceux-là, vous savez que vos fils ou vos petits-fils, ils ne les ont pas connus. Et vous non plus. Et non, mais ça remonte à longtemps. Et d'ailleurs, les nanas honnêtes et les mecs honnêtes, mais non plus, ils ne connaissent pas. Mais non, ça remonte. Ouh là là! Et eux, ils disent, mais comment est-ce possible que nos arrière-arrière-arrière-arrière-petits-fils, blablabla, soient autant des ordures? Ils sont là à attendre des nanas ou des mecs que j'ai qui les prennent aussi pour des cons. Ouais. Alors qu'il y a des nanas sincères. Et inversement. Ah oui, parce qu'on a tous des ancêtres, hein? Vous êtes d'accord? Ah, jusqu'à là, d'accord. Bon, ben moi, ils me disent, les hommes, côté de tous ces mecs-là, et de ces femmes sincères qui rencontrent et qui attendent de celles qui les prennent pour des cons, qui les escroquent, tout ce que vous voulez. Oui, des fois, il y a même des inversions. Ouais. Ben, eux, ils disent, ah ouais, non, mais mon pote, attends, attends, attendez, 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 messieurs. Vous, vous voulez telle nana. Il y en a plein comme ça. Et même des nanas, inversion. Bon. Mais pendant ce temps, vous distriez avec d'autres. Vous attendez des nanas ou des mecs qui vous prennent pour des cons. Dans tous les schémas possibles et inimaginables. Bon. C'est bien. Mais vous n'êtes pas sincère. Ok. Les autres nanas de l'autre côté, elles sont sincères. Ok. Mais elles ne savent pas que vous les prenez pour des cons. Bon. Ok. Donc, ils ont du mal à comprendre. Et eux, ils ne peuvent pas vous laisser faire. C'est-à-dire, je m'explique. Déjà, ces nanas et ces mecs vous prennent pour des cons dans tous les schémas possibles et imaginables. De l'autre côté, les autres mecs et nanas sont sincères. Donc, mais vous les prenez pour des cons. Alors eux, ils se disent, mais alors de l'autre côté, on les prend pour des cons. Les autres, ils sont sincères. Mais bon, comment on pourrait
Ah bah pas... Bon, déjà, les autres, ils vont pas être ensemble, mais bon, vu les ordures que c'est en réalité, on va pas les mettre ensemble quand même. Ah, putain, on fait chier. Ouais, mais bon, bah ouais, mais elles sont sincères, ces nanas, les pauvres. Et elles sont amoureuses de ces mecs, et inversement, ouais. Ouais, mais bon, c'est des salauds. Bah oui, c'est des salauds. C'est des salauds, parce que bon, c'est pour passer le temps. Et ils courent après des nanas qui les prennent pour des cons dans tous les schémas possibles. Et des fois, c'est inversé. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, tu as raison, grand-papy de l'époque, je sais pas combien. C'est vrai. Ouais, qu'est-ce qu'on fait alors? Ouais, mais bon, elles sont tellement amoureuses pour de bon, ces nanas, de ces mecs. Ouais, mais bon, regarde ce que derrière ils font. Ouais, c'est vrai. J'avoue, j'avoue. Bon, on fait quoi alors? Ben, elles vont être malheureuses, puisque elles les aiment pour de bon, hein. On fait quoi? Ben, pour faire ressortir ces traînées de leur vie. Ah ouais, d'accord. Et comment on va faire? Ah ben, il faut les réveiller, ces mecs, hein, qui se rendent compte que ces nanas et ces mecs les prennent pour des cons, dans tous les schémas possibles que j'ai évoqués. Alors, vous savez, eux, ils y travaillent énormément. Ah, énormément. Parce que vous savez, vos ancêtres ne dorment pas. Ça vous étonne? Vous êtes étonné? Ah non, tous vos ancêtres, eux, ne dorment pas. Ah, ils sont toujours, ils sont infatigables. Et ils vont, si vous voulez, en général, ils essayent de leur faire percuter que tous ces nanas et mecs, peu importe les cas que j'ai évoqués, les prennent pour des cons. Putain, et c'est dur. C'est pas facile, hein. Tous les ancêtres de chacun ont beaucoup de mal, hein. C'est pas... C'est dur, hein. Et que... Ben, des fois, ils sont à côté de tous ces mecs. Tous ces mecs, tous ces mecs. Des fois, ils sont avec ces connasses. Les connasses, les connards. Qui vous prennent pour des cons. Et que vous, vous aimeriez trop faire vos vies avec. C'est-à-dire que des fois, ils sont avec les mecs. Et des fois, ben, les nanas qui les prennent pour des cons. Et inversement. Ah, ben si, parce qu'ils. Et puis, des fois, ils sont avec les mecs et les nanas sincères. Ah, ben si, eux, vous savez, oh putain, je sais pas comment ils font, mais c'est bon. Et ils essayent de soulager les nanas sincères et les mecs sincères qui aiment réellement, par exemple, vos fils ou vos filles. Ah, ouais, parce qu'ils sont pas bien. À moins qu'ils soient cons, hein, vous savez, hein, mais bon. Et vous allez dire que c'est fou, mais des fois même ils les entendent. C'est. Et il leur parle. Ils leur disent mes arrière, 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 petite fille, ne vous inquiétez pas. Tout va rentrer dans l'ordre pour vous. Ces hommes-là, que vous aimez sincèrement, ou ces femmes, nanana, vous serez un jour réunis, mais. Vous ne serez pas avec ces garces qui vous prennent en vérité pour des cons et inversement et que vous bavez dessus. Peu importe les cas. Ah si. Ah si. Parce que tous ces mecs-là sont persuadés qu'un jour, oui. Alors, les vieux de ces mecs qui sont morts. Qui les adorait plus que tout. Essaye, hein, de rentrer En communication par beaucoup de multiples façons. Mais alors, eux, ils pensent que c'est l'inversion. Eux, ils vous disent non. Les nanas qui vous prennent pour des cons, par exemple, c'est pas elles les femmes de votre vie, dans tous les cas. Non. Mais non. C'est les nanas qui sont sincères et que vous prenez pour des cons. Si. Si. Ils vous le disent, vos ancêtres, hommes et femmes aussi. Alors, il y en a, vous les avez jamais connus, hein, parce que oh là là, c'est vieux. Mais il y en a, vous les avez connus, ils sont plus là. Vous les aimiez, hein. Ah là là, vos grands-parents. Ouais, surtout les derniers, hein, pour certains. D'autres, vous les avez pas connus, c'était trop vieux. Et au niveau de ces nanas là, leurs anciens, c'est pareil, hein.
Ils viennent vous voir, les bolosses de mecs. Et ils vous disent, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, mais à ma petite fille. Ou plus vieux même, pour certains, ça dépend des cas. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fous bien de sa gueule, hein? Vous, vous foutez bien de leur gueule. Que ça soit des mecs ou des nanas. Et eux, ils ont envie de vous prendre et de vous mettre à un poteau et de vous attacher. Et ensuite, de vous faire souffrir. Alors, je vous signale, messieurs et mesdames, que les hommes, dans l'ancien temps, c'était pas comme aujourd'hui. Ah non! Parce que vous savez, hein. Quand, par exemple, on faisait du mal à leur fille, à leur fils, à leur petite fille, et les vieux, des vieux, ouais, les anciens, ils allaient voir les mecs, par exemple, et ils les regardaient droit dans les yeux. Bon, tu comptes faire quoi? Dis-moi. Et vous savez ce qu'il faisait? Il disait aux nanas, comme voit que moi dans mon bureau, ces gros connards là, ces gros cons. Ah mais si. Fais-le moi venir, ces gros bolosses de merde. Et en général, ils voulaient pas. Mais tu m'étonnes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des anciennes, des familles, des femmes. Bon. Et en général, c'était... non, je me sens pas. Ils se sentaient pas. Ils étaient pris soudainement de malaise. À l'époque. Et puis, ils disaient, alors, il vient le bolos. Où sont les bolos? On veut voir les bolos. Mais à combien de femmes? Mais vous savez que là, il y en a, ils sont morts. Oh là là, oui. Bref. Alors, ils disaient, putain! Mais je veux le voir, les bolos. Et que les filles, elles disaient, vaudrait mieux que tu viennes. Moi, je pense que ça perd patience. Moi, vous voudrez mieux de venir. Mais là, c'est que des morts. C'est les anciens. À tous ces bolos de mecs. Et les nanas sincères. Après, il y a les connards et les connasses. Oui, Marc, tu remontes. Bref. Tu pars derrière, oui. Attendre des cons, des connes. Dans tous les cas, que j'ai pas dit, que j'ai dit. Bref. Mais que là. Perdez patience au bout d'un moment. Ouais, les ancêtres. Et puis, bon. Ils sont sourds, ces mecs. je vais aller le chercher. Hein. Je vais aller. Et je vous jure qu'ils venaient tout seuls à aller voir les anciens. Ah, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Bon. Et que. Ils avaient des discussions entre hommes. Bon. Tu l'aimes, ma fille? Est-ce que tu aimes nos filles? Ou les petites filles? Est-ce que vous voulez? Parce qu'il y a eu tellement de choses et d'ancêtres et de machins. Alors, ils étaient là, les yeux dans les yeux. Ah, puis ils les soutenaient du regard. Ah, mon Dieu, c'est pas comme aujourd'hui. Hein, c'est que des bolosses aujourd'hui, les mecs. Bon, bref. Bon, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Tu te maries? Tu vas faire quoi? Alors, ils étaient là. Ils savaient même plus quoi répondre. Écoutez. Tous ces mecs, mais ils sont tous morts maintenant. Mais ici, ils savaient même plus quoi répondre aux hommes de la famille. Pourtant, c'était des questions simples. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu veux te marier avec elle au pluriel? C'était simple, non, comme question. C'est pas compliqué de dire à des hommes de la famille. Ils sont tous morts, ceux-là. Dans des tas de familles en France, hein, et pas que. Hein. Bon. Bon.
Tu l'aimes, tu les aimes ou tu les aimes pas? Eh bien, ils savaient même pas. Et tellement qu'ils avaient un regard méchant, on aurait dit qu'ils allaient sortir une carabine. Et ils étaient. Ah, si, si, monsieur. Si, si, je les aime. Mais une par famille. Voilà, attention. Hein. Parce qu'il n'y avait pas la. Ah, non, non, s'ils avaient dit. Ah, ben, j'aime toutes vos filles. Bon. Bah, bon, tu l'aimes. Ah oui, je l'aime, hein. Bon, alors écoute, bah, parce que après ça dépendait des générations, service militaire, les machins, bon. Mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a eu les services militaires. Bref, on va épargner tout ça. Et que, croyez-le ou pas, ah ben ils se sont tous mariés, hein. Bon. Alors, au niveau de ses ancêtres. Ils vous disent, ouais, c'est vrai, on a évolué dans le temps, hein. Maintenant, on n'est plus obligé de se marier. Obligé de vivre ensemble. On n'est plus obligé de rien. Et que, ils vous disent quoi? Ben, on voit le résultat, hein, ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès. Ils vous disent, mais bon, sur certains points, au moins avec nous, les hommes, ne nous prenez pas pour des connes, hein. Parce que, là, maintenant, hein, on en prend une et on en jette une. On a. Ouais. Et que à l'époque, les hommes, c'était des vrais mecs. Et que croyez-moi, devant vos familles, oh là là, ils faisaient pas les macs. Hein. Deux questions. Est-ce que tu l'aimes? Tu les aimes nos filles? Pour une chacun, hein. Évidemment, hein. C'est pas des partous, hein. Bon. Bon. Ok. Ben quand c'est que vous. Ah oui, quand c'est que vous mariez, hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Mais bon. Alors, les ancêtres des hommes et des femmes, ils vous disent, ouais, c'est vrai que c'est pas bien de faire peur à des hommes. C'est pas bien, limite, de les obliger à se marier. Mais est-ce que vous préférez qu'ils vous prennent et qu'ils vous jettent comme des merdes? C'est à vous de voir. Parce que une fois qu'ils ont défleuré, que ça soit des vierges ou des non-vierges, qui se sont bien amusés, vos ancêtres à tous vous disent, ensuite vous les larguez. Mais à l'époque de vos ancêtres, que ça soit ceux que vous avez connus qui sont plus là et même des plus vieux, ça n'existait pas. Alors, ils vous disent, vous préférez quoi, les nanas? Être sur la liste, je sais pas combien, quand à chaque fois ils vous larguent. Faut choisir, hein. Mais bon, le problème, c'est que maintenant les hommes, c'est plus des hommes. Ils sont pires qu'avant. Mais bon, par contre, ils vous disent tous vos ancêtres, aux femmes, femmes bien, tous les hommes de tout temps et de toute époque, c'était des salauds, hein. Ah, mais si. Et qu'aucun homme, ça n'a jamais fait rêver une femme, hein, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein. Et que les hommes, bon, vous savez, hein, ils vont te dire, oh, tu es la femme de ma vie, oh, je t'aime, oh, j'ai jamais vu une femme aussi belle que vous. Bah, en plus, à une autre époque, ils étaient beaucoup plus charmeurs. Hein. Mais c'était pareil. Hein. Si ils pouvaient les déverger, les vierges, oui, et ensuite pas les épouser, ils le faisaient. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils évitaient de laisser les mecs et les nanas seuls ensemble. Hein. Parce que les pères, ou que ce soit des grands-pères, ce que vous voulez. Croyez pas, hein. Ils étaient aussi pourris que tous les autres mecs, hein. Que ce soit les gens nana gentils. Ah, mais si, d'après vous, pourquoi les hommes de vos familles, ils voulaient pas laisser des nanas et des mecs ensemble? Parce qu'ils étaient aussi pourris que les autres mecs, oui. Oh là là.
Quand par exemple tu disais, c'est tombé amoureuse. Ouais, ça l'homme. Bon, en plus, attendez, là. Ça dépendait à qui tu le disais, là. Ah, hein? Oh, papa, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ben, ça dépend les générations, hein. Hé, quoi? Attends, qu'est-ce que tu... Quoi? Ah ouais, je suis très amoureuse d'un homme. Ah, oh, putain! Comment il s'appelle? Hein? Ah, oh, putain. Comment il s'appelle? Il habite où? Quel métier? Nanana. Convoque-le, je veux les voir de suite. Mais c'est plus comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui, hein? Pourquoi? Parce que toutes ces femmes-là, leur père ou leur grand-père, ce que vous voulez, savaient que c'était des enfoirés. Tous les hommes, c'était des enfoirés. Mais si, même à l'époque des chevaliers. 1900, tout ce que tu veux. Et que si, par exemple, tu es née, toi, femme, aujourd'hui, c'est parce que tu as eu la chance que un de tes ancêtres épouse ta mère, hein, c'est tout, hein. Mais combien de femmes ils ont des vergers? Combien de femmes ils ont abandonné avant qu'ils choisissent une de tes ancêtres? Bam! Est-ce que vous comprenez? Ah, mais moi, si les ancêtres me le disent. C'est tout. Ouais. Du coup, bon. Là, je vois des ancêtres, hommes et femmes. Et là, ils parlent à des hommes. Ouais. À des hommes qui prennent des nanas pour des nanas bien. Pour des connes. Pour des nanas qui n'en valent pas la peine. Et inversement. Ouais. Et les ancêtres à ces nanas qui sont très sincères m'a donné. Sont pas du tout. Content de voir ce qu'ils font à ces nanas bien. Pour des nanas pourries. Bam! Alors, eux, vous savez, ils ne dorment pas. Ah non! Ils sont toujours à la pêche. C'est normal, ils sont passés de l'autre côté. Ils ont la forme, ceux-là. Du coup, un coup, ils sont avec ces mecs qui prennent des nanas sincères. Un coup, ils sont avec des nanas peu chères qui vont être amoureuses ou qui sont amoureuses de ce genre de mecs. Et que, eh ben, ils voient tout. Ce qu'ils font. Oui. Bon, on en a sincères qui aiment sincèrement ce genre de mecs. Il y en a, ils les connaissent. Il y en a, vous ne les avez pas rencontrés encore. Vous, oh, putain, ça va être dur. Bref, mais ils disent aux nanas sincères que vous les connaissiez ou pas encore. Vos ancêtres vous disent, vous inquiétez pas, mes chéris. Ça va le faire. Vous inquiétez pas. On s'occupe de ces bolosses. Et de gré ou de force, on va s'en occuper. Et ils vont comprendre qu'ils se plantent de cheminement de vie concernant la femme qui les aime réellement. Que ce soit ceux qu'ils connaissent déjà. Et puis d'autres, ils ne sont pas encore arrivés, les vautours. Ils vont arriver. Mais vous inquiétez pas, vos ancêtres sont là, les nanas qui sont bien. Les braves nanas, peu importe l'âge que vous avez. Bon. Ils veillent au grain. Vous inquiétez pas. Et que à ces bolosses là, de mecs de merde, ils vont ben certains leur rendent de la monnaie de la pièce. Si vous êtes rencontrés et que y a eu des dépenses pour vous, eh ben ils vont se débrouiller de ah mais si c'est la monnaie de la pièce. Ils vont dépenser pour des nanas que je t'ai expliquées. Et c'est le retour. Ah si. Si ils vous ont causé des pleurs, les ancêtres disent oui, vous avez beaucoup pleuré pour ces hommes-là ou un homme. Mais vous inquiétez pas. Ils vont pleurer toutes leurs larmes de leur corps. Parce que vous savez, un homme, ça se cache. Les hommes aussi, ils pleurent. Hein. Si. Eh bien, ils vont pleurer.
pour des nanas qui, dans tous les domaines, ouais, il va avoir les inversions aussi. Si vous avez fait dépression, c'est-à-dire tout ce que le mal qu'ils vous ont fait, alors que vous êtes sincère ou que vous le serez, eh bien, ils vont l'avoir eux. C'est formidable, vos ancêtres vous disent non. Hein, c'est bien. Vous savez, hein, eux, ils supportent pas. Non, non, ils supportent pas de voir leurs ancêtres femmes, vivantes et bien vivantes, se rendre malades pour des bolosses. Non, ils supportent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vous aiment énormément. Des hommes et des femmes. Et ils veulent pas que vous soyez triste pour ces hommes-là. Qui se trompent de cheminement au niveau de la femme qu'il leur faut. Donc, ils se font payer à ces hommes pour toute la peine occasionnée. C'est normal, ils disent. D'ailleurs, ils n'ont pas fini avec ces hommes. Mais non, c'est que le début. Et puis pour certains, c'est pire que d'autres. Ah, mais si, ah, mais si. Au niveau de l'état de santé. Ah, si, parce que vous savez que ça peut déclencher de certaines choses. Ben, ils les punissent. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ah, mais si, vous savez, hein, les ancêtres, mais si. Ah là là, et puis c'est que le début, attendez. Hein. Puis ils s'inquiètent jamais pour vous. Mais non, ils ont aucune culpabilité, ces hommes. Ils se sentent pas du tout coupables et responsables du mal qu'ils font à des femmes sincères. Donc, vos ancêtres, eux, ils les voient, ces hommes. Du coup, ben, ça va être de pire en pire. Et tout le mal. Qui vous ont fait, peu importe, eh ben, ça va être leur tour. C'est bien, hein? Donc vos ancêtres disent quoi? Souriez. Oh, vous allez dire, ah oui, mais je ne voudrais pas non plus que vous alliez trop fort. Et eux, ils disent quoi? Ah, je vous jure. Est-ce que quand vous pleuriez, ils s'inquiétaient? Non. Quand eux vouliez leur parler qu'ils n'étaient pas là, ils s'inquiétaient? Non. Quand ils couraient après des épaves qui les prennent pour des cons, ils s'inquiétaient? Non. Quand vous, les mots je t'aime, machin, ils s'inquiétaient? Eh ben, vos ancêtres disent, ah ben non, c'est leur tour. Et même si vous leur dites, s'il vous plaît, soyez pas, ah, ils vont leur faire payer. Et ils vont comprendre à ce que c'est la douleur. Ah, mais si. Ah, mais si. Et vous pourrez pas les sauver, ces mecs-là. Même si vous les aimez sincèrement. Parce que vos ancêtres, femmes et hommes, leur envolent. Ah, hein? Mais si vous saviez, comme tous les ancêtres qui sont morts, que ce soit des hommes ou des femmes, en veuillent à ces mecs-là, mais d'une force. On joue pas. On ne joue pas avec les sentiments. Quand une femme est sincère, les hommes doivent être le plus sincère possible. Ouais. Et pourtant, ben, ils ne le sont pas. Et vous savez, quand on réveille le démon, c'est-à-dire du côté des femmes sincères, que ce soit des femmes ou hommes, leur vie devient un carcan. Croyez-le ou pas, mais c'est la vérité. Et ils n'en ont pas fini avec ces mecs, hein. C'est que le début. Alors évidemment, ils veulent pas leur enlever la vie. Non, ils n'iront pas jusqu'à là. Puis d'abord, ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Non, c'est pas vos ancêtres. Il n'y a qu'eux qui décident de qui, oui, qui doit mourir et qui doit vivre. Au niveau de là-haut, vous savez qui c'est? Mais, vous savez, on dirait pas, mais vous savez que les vos ancêtres, ben, ils ont des pouvoirs, hein. Enfin, c'est. Ils vont leur pourrir la vie à tous les hommes et toutes les femmes qui ont fait du mal en amour, à des hommes et des femmes sincères.
sincère. C'est que le début. Mais au niveau de ses ancêtres, à ses femmes pécheresses, ou des hommes, si par exemple, il y a des hommes ou des femmes qui vous ont volé de l'argent, que ça soit des gens en qui vous avez confiance ou que vous avez eu confiance, ils vont le payer eux aussi. D'ailleurs, cela s'est déjà fait. C'est-à-dire que vos ancêtres vous protègent et qu'il est hors de question, même en dehors de l'amour, que des hommes ou des femmes qui ne font pas partie de votre famille ou qui font partie de votre famille vous escroquent du pognon. Et il y en a, ils l'ont déjà payé. Allez, on continue. Au niveau financier, il y a aussi des hommes et des femmes, ok, avec qui vous parliez, qui bougeaient pas, ont été dire que vous leur deviez de l'argent. Les ancêtres ont tout vu de ces femmes très honnêtes et d'hommes aussi. Alors, comme vous avez aussi monté des hommes et des femmes qui ne faisaient pas partie ni de vos familles des deux côtés, ben eux, ils vont s'occuper de vous. Ah, mais si, à leur manière. Hein. Ah, eux, ils ont le temps. Ah, mais si. Enfin, ah, non. On ne touche pas. Alors, en plus, certains sont beaucoup plus protégés que d'autres hein, par leurs ancêtres. Hein. Fallait pas. Ah, non. Fallait pas toucher à ce genre de femme, au pluriel, qui est très protégée par ses ancêtres. Ah, vous savez pas ce que vous faites. Et que si des hommes ont fait du mal en amour à ces femmes, ils vont tous le payer. Si des hommes et des femmes ont fait du mal à ces hommes et ces femmes, des gens bien, eux, ils sont vivants. Dans de l'argent, vous allez le payer. Ah, mais c'est sûr. Ah, non. Non. Alors, ça, c'est clair et net. Hein. Vous savez pas ce que vous faites. Hein. Il y en a qui viennent de familles très puissantes. Ah, c'est... Et que vous avez réveillé la colère des anciens, des morts. Et vous allez tous le payer. C'est-à-dire, tous les hommes qui ont fait du mal à des nanas en amour, vous allez le payer. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont volé de l'argent, peu importe la manière, vous allez le payer. Tous ceux aussi qui... concernant leur cheminement professionnel, des pertes financières, et que vous avez retourné le cerveau de personne, vous allez le payer. Vous avez réveillé, ainsi, la colère des défunts dans certaines familles. Vous ne savez pas ce que vous faites. Hein. Ah, si. Eux, ils ont le temps. Et ils vont... Alors déjà, ils vous hantent. Tous. Alors, il y a des hommes, ils sont hantés. C'est jour et nuit. Vous avez fait du mal à aux femmes de leur famille en amour. Dans le passé. Ah, si. Mais sûrement à plusieurs. Ensuite, là, on arrive là. Il y a des hommes, ok, qui se sont foutus de la gueule à des femmes très sincères, amoureuses. Ces mecs-là, vous allez le payer. Aussi. Mais si, ne croyez pas que vous allez vous en sortir blanc comme la neige. Et même si vous leur parlez de temps en temps, des cadeaux... Du pognon, ça ne changera pas.
Votre destin est scellé. Et vous le savez très très bien. Tout ce que vous avez fait à ces femmes. Ah, messieurs, les ancêtres sont très remontés. Ensuite, il y a le côté finance. Il y a des hommes qui ont aidé, je dirais, des femmes à se sortir d'une merde financière au détriment des autres. Des mecs. Et des nanas. Ben, vous allez le payer tous. Vous avez réveillé la colère de leurs ancêtres. Ah là là, sur des générations. Ah, vous savez pas ce que vous faites. Hein. Alors là, j'aurais tendance à dire, je vois des hommes qui vont retrouver la raison. Des hommes, à un moment donné, qui vont se dire, j'ai un gros choix à faire sur mon cheminement en amour. Ah ben, je pense que ouais. Et que si vous ne faites pas le bon choix, eux, les ancêtres, ils se disent, bon, tu voulais les sacs à merde là, peu importe les machins, ben, arrêtez des relations avec certaines. Mais, ils vous disent que ils arrêteront de vous harceler, les ancêtres. Mais vous devez d'être très honnête, c'est-à-dire la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Mais toute la vérité, hein, concernant femmes pourries. Ensuite, ils vous laisseront tranquille concernant ces pourritures de nana en amour. C'est pas leur problème. Eux, ils protègent les femmes de leur famille. Vous les avez réveillées. Ah, attention. Là, ils vont voir ce que vous allez décider. Si vous dites, mais les vérités, hein, la vraie, les vérités, rien que la vérité, rien, je jure, et ils vous entendent, alors mentez pas, quand vous direz des vérités à ces femmes que vous prenez pour des cons. Ou inversement, parce qu'il peut avoir les deux. Et attention, si vous mentez sur un détail, ils vont vous hanter. Et même si vous n'avez plus de communication avec les gentils nanas ou les gentils mecs, hein, ils s'en foutent. Hein. Ah, c'est... Alors, ces mecs-là, peu importe, ou ces nanas, dites les vérités à qui il faut et ne mentez pas. Ils vous donnent du temps. Eux, le temps, c'est pas comme nous. Non. Je pense que là, au point où ils en sont, ils me disent que ils vous donnent, pour prendre les bonnes décisions, hein, ils vous donnent encore pas longtemps, en fait, hein. J'aurais tendance à dire, allez, une journée, peut-être deux journées. C'est possible. Ouais. Et ensuite, ils vont... Ah, c'est encore pire. Non, parce que, bon, ils vont pas le dire, les gens, hein. Alors, il faut choisir. Ou vous prenez les cajots, mais vous dites les vérités, toute la vérité, rien que les vérités, hein. Allez-y, ah ouais. Ou alors, vous mettez avec celle qui vous aime vraiment et vous serez très heureux. Parce que elle, ces nanas, vous aiment sincèrement. Ou ces mecs, les autres, vous prennent pour des cons. Alors, choisissez et vite. Hein, quel mec ou quelle nana vous voulez. Il vous donne un délai supplémentaire. Moi, c'est pas en mois, hein. Non, non. Je dirais plutôt que c'est en jour. Maximum, allez. Là, franchement, moi, je dirais 2 jours. Après, votre vie va devenir un enfer encore plus qu'avant. Et vous avez été touché dans beaucoup de domaines.
ces mecs en amour ou ces nanas. Quant aux autres, ouais, quant aux autres, bon, tout ce qui est le pognon, il y en a, c'est passé. C'est bon, ils ont réglé votre compte, à certains. C'est pas des trucs professionnels ou non. Bon, vous, ça y est, ils se sont déjà occupés de vous. Mais ils vous disent, si vous revenez l'envie, par exemple, de reprendre contact avec ces hommes ou ces femmes que vous avez entubés financièrement, oubliez. Ah si, oubliez. Parce que, il y en a, ils sont en couple. Vos mecs ont des très mauvais états de santé, non ? Mauvais, hein ? Ah, et puis vous aussi. Et s'ils ne voulaient pas, ah, mais eux, ils s'en foutent, hein. Attention, hein. C'est, les gens ne sont pas vos bourses, hein. Donc, si vous voulez que vos mecs n'aient pas de gros ennuis, et vous savez, c'est tout ce qui est émotionnel, les addictions, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ah, ils vous le disent. Bon, bah... Ne revenez pas dans la vie de ces mecs et ces nanas que vous avez escroqués, hein, au passé. Allez trouver dehors. Allez travailler. Ah ouais. Hein. Dépression, addiction en tout genre. Leurs ancêtres leur, ah, vous disent, allez bosser, hein. Vous avez qu'à vous sevrer. Allez. Et que si jamais vous réapparissez dans la vie de ces hommes et de ces femmes sincères, pour les entuber financièrement, ben les ancêtres vont s'occuper à leur manière, à, de leur façon. Ah. Donc là, ils vous préviennent, ils vous mettent en garde, et ils rigolent pas. Il y en a, ils y croient pas. Ben, essayez, vous verrez. Ensuite, il y a d'autres domaines. Des mecs et des nanas, je pense qu'ils ne vous parlent plus. À quoi ? J'aurais tendance à dire à de la merde de nana. Des choses liées à de l'argent. Attention à vous aussi. Les ancêtres qui protègent les femmes de leur famille vous disent clairement. En plus, ils ont mêlé d'autres personnes qui n'étaient pas mêlées. Alors, ils vous disent clairement, vous avez menti sur cette famille très honorable. Ok, vous avez choisi. Bon. Vous vous êtes bien rempli les poches, en plus sur leur compte. Mais attention, si jamais ils vous reprenaient que ça vous grattait encore, de dire quoi que ce soit sur ces gens, les ancêtres vont s'occuper de vous. Ah, attendez. Ah oui. Il y en a. Il y a des femmes qui ont de la famille, non ? Ils vous disent quoi ? Ah, il y en a, ils n'ont pas des bonnes santé autour de vous. Si vous voulez pas que leur état... Ah, vous savez, hein, ils peuvent faire des choses. Hein. Ah, il y a des miracles dans la vie. Si vous voulez que vous et vos proches n'aient aucun problème, quoi que ce soit, ben, laissez ces familles tranquilles. Par contre, si vous reprenez l'envie de toucher à un de, des cheveux dans cette, ces familles-là, et vous êtes très nombreux à le faire, vous êtes surveillés par leurs ancêtres. Et alors là, ils vont s'occuper de vous. Hein. Ah, mais vous croyez que quoi ? C'est-à-dire, vous faites du mal gratuitement en amour ou pognon, peu importe comment vous le faites, et ensuite... ou vous bloquez les gens, ou vous éloignez des gens, et en plus vous montez les, d'autres gens contre ces gens-là. Mais vous prenez pour qui en fait, ils disent de leurs ancêtres. Et eux, ils disent
qu'au stade où on en est, de toute façon, vous ne pouvez pas les toucher, ils sont morts. On est d'accord. Ah ben ça, c'est, vous savez, vous ne pouvez pas. Hein. Et puis, ils vous disent que si jamais il arrive quoi que ce soit à un de leurs descendants, homme ou femme, putain, qu'ils aiment plus que tout. Là. Eh ben, ils vont s'occuper de vous. Hein. Ah, mais si. Ah là 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 là. Laissez-les. Écoutez, ils vous disent clairement. Les ordures ménagères, restez entre vous. C'est-à-dire. Des hommes pourris, des femmes pourries, en amour. Faites les bons choix. Hein. Si vous voulez les déchets de la société, restez avec les déchets. Mais laissez ces femmes et ces mecs bien en amour. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, concernant, parce qu'il peut avoir des points de liaison, les ancêtres le savent, qui ont aidé financièrement à se sortir de la merde ou qui vont aider en coulant d'autres hommes et femmes dans toute région de France, ben là encore une fois, ils disent restez entre vous et ne venez plus ben, embêter des hommes et des femmes à qui vous ne parlez plus. Attention, ils vous le disent. Et eux, ils ne sont pas dupes. Hein. Des hommes et des femmes, par exemple, qui reviennent parler à des bonnes âmes, peu importe les domaines. Mais vous êtes des vendus. Vous êtes des Judas. Et ensuite, vous allez répéter des infos à d'autres. Alors là, ils vous disent. Parce que là, il y en a d'autres. Alors, restez entre bandes de Judas. Ils vous disent qu'il y a des hommes, autant d'hommes que de femmes, qui ont basculé côté ténèbres. C'est votre choix. Vous avez, dans la vie, vous savez, comme ils disent les ancêtres, on a le choix et on prend ses décisions. Mais restez entre eux. Si jamais vous faites quoi que ce soit, du mal à ces bons, à ces bonnes âmes, hommes et femmes, leurs ancêtres vont s'occuper de vous. À leur manière. Et ils vont vous rendre le mal que vous leur avez fait aux autres. Croyez-le ou pas, faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que s'il y a des hommes en amour ou des femmes, qui vous avez fait du mal à des femmes sincères, ben vous le payez. Si des femmes ont fait du mal à des hommes sincères en amour, vous le payez. Ça, mais en général, c'est que vous leur avez fait les gondoles à Venise. Hein. Ils ont cru à vous merde. Hein. Bon, attention, je précise. Mais que vous les avez pris pour des cons. Ah ben, tous les hommes et toutes les femmes qui ont fait ça, vous allez le payer. Ah, mais si, attention. Et si jamais vous réapparaissez dans leur vie, mais que c'est pas pour les bonnes raisons, parce que réellement vous les aimez, et que c'est par exemple pour répéter tout ce qu'ils vous disent, surtout si c'est croustillant, pour après aller le répéter à d'autres pour leur créer des emmerdes dans leur vie, ne revenez pas. Parce que, oui, leurs ancêtres vous voient ce que vous faites dans le dos. Vous leur voulez des ennuis. Ne revenez pas. Ils vous le disent, ils rigolent pas. Ah non, mais... Donc, là... Je vois des hommes et des femmes sincères. Que ça soit en amour, que ça soit amical, que ça soit professionnel, peu importe.
si vous venez vers ces hommes et ces femmes, assurez-vous d'être sincère avec eux. Hein, parce que leurs ancêtres, ils sont réveillés. Ah, si. D'ailleurs, il y en a, ils les ont réveillés. Et que tous les hommes et toutes les femmes, peu importe voilà, quel domaine, si vous n'êtes pas sincère dans la démarche, ne venez pas vers eux. Hein. Ils ne vont pas vous louper. Hein. Vous savez qu'il y en a, ils sont très... Ah, d'ailleurs, hein. Vous savez qu'on a tous des ancêtres. Et que on est protégés. Ah, bah si. Ah, bah si, hein. Et que même si vous, de l'autre côté, il y a des ordures, vous avez des ancêtres qui essayent, par exemple, qui vont essayer de vous protéger des autres ancêtres, vous ne gagnerez pas contre cela. Croyez-le. Ah, ils vont vous enterrer vivant. Hein. C'est imagé. Mais c'est... Donc, on me dit que... Oui, il y a des hommes et des femmes très sincères. Mais que sur notre belle terre, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, quand vous allez vers des hommes ou des femmes, si vous êtes pourri jusqu'à la moelle épinière, ne venez pas vers eux. Hein. Restez avec les pourris. Parce que là, on en voit. Hein. Pour certains même, ils disent que tellement qu'il y en a qui ont honte du comportement, ont essayé de se racheter une conscience hein. Ouais, auprès de certains d'eux. Plus d'attention, plus de présence, de belle mouche, ouais. Et attention, hein. C'est-à-dire, si vous les aimez pas, que ce soit en amour, en amitié, professionnellement, restez entre vous. Ne venez plus les déranger. C'est horrible. Et que voilà. Et les ancêtres le savent. Bon, alors. Là, je vois des hommes et des femmes. Alors, déjà en amour. Qui sont pas sincères. Bon, alors déjà dans le passé, il y en a combien qui se sont foutus de vous. Qui ont fait leur vie avec d'autres. Mais vos ancêtres vous disent « Ah, oh, c'est tellement mieux qu'ils sont partis. » Vous inquiétez pas, hein, ils vont bien. Hein. Ces déchets-là de la société se sont mis en couple avec d'autres nanas que vous. Alors, il y en a, c'est vie commune, comme ça. Pour d'autres, ils se sont mariés. Oui. Ne vous inquiétez pas, ils vont très bien, ils se sont juste foutus de vos gueules. Mais vos ancêtres qui vous aiment plus que tout vous disent « Mais ma chérie, nos chéris, chéris, on avait essayé de rentrer en communication avec vous, mais vous ne nous avez pas écoutés concernant ces hommes. C'était pas des hommes ou des femmes qui étaient faits pour vous. Et vous n'avez pas écouté, hein, non. Et vous avez vécu avec. » Et ils vous ont pris pour des cons et des connes. Donc, oh, on est si fiers de vous maintenant. Parce qu'on voit que vous nous écoutez davantage. Et que, oui, c'est pas facile hein, quand il y a eu les séparations. On était là, on a vu. Hein. Et ils vous disent à tous et à toutes. Vous êtes tellement plus épanouis à l'heure d'aujourd'hui sont ces mecs et ces nanas. Que ça soit ceux qui vivent ensemble, sans être mariés ou même mariés. Ah, oh, et puis il y en a, ils se sont foutus de vos gueules aussi. Ah, oh, si. Au niveau de la légalité d'un mariage. Mais c'est pas grave, ils vous disent. Parce que je vois tellement de cas. Bon. Mais ils vous disent à tous. Toutes les nanas, les pauvres richimes, d'hommes et de femmes pourris jusqu'à moi l'épinière. Mes enfants, parce que là on parle de vos ancêtres, nous on vous aime.
C'est pas facile de vivre seul. C'est vrai. C'est pas facile de ne pas avoir un compagnon ou une compagne de route. C'est vrai. Mais vous préférez quoi? Être avec un homme ou une femme qui ne vous aime pas? Ou qui a des maîtresses ou des amants? Des hommes ou des femmes qui vont vous battre? Qui vont vous empêcher de sortir? De travailler même pour certains d'entre vous? Vous préférez quoi? Ils savent que pour vous c'est pas facile. Ils savent que pour certaines d'ailleurs, c'est devenu très dur, très très dur à un point que eux ils le savent. Et déjà, vous en parlez autour de vous et vous dites, ouais, mais quand c'est que je vais rencontrer enfin l'homme ou la femme qui va me convenir? Et ils vous ont pas oublié. Ni à toi en tant que femme, ni toi l'homme là. Toi, non, ils oublient personne. Mais ils veulent vous envoyer, ils vous disent tous vos ancêtres, quelqu'un de bien. Et pas un déchet ou une, ouais, d'homme ou de femme. Et que ça prend du temps. Ah si, ça prend du temps. Parce qu'ils vous disent, entre ceux qui disent être célibataires, hommes et femmes, mais qui ne le sont pas. Entre ceux et celles qui attendent leur poufias d'ex. Ah ben non, parce qu'attendez, vous allez rire, les ancêtres vous disent. C'est que ceux et celles qui attendent leurs ex se foutent de leur gueule en général. Si, parce que de l'autre côté, ok, vous avez plusieurs options. De ceux et celles qui attendent de leurs ex. Si. Après, j'ai évoqué, oui, tous les. Ouais, j'ai pas. Bon, on va pas encore revenir, mais. Et que c'est pas facile de trouver un homme bien pour une femme bien. Ils vous le disent. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils vous envoient des bouffons? Des bouffons, il n'y a pas de problème, ils vous disent. Mais après. Vous allez être en couple et vous serez malheureux et malheureuse. Alors, vous voulez quoi, ils vous disent les ancêtres? Parce que ça devient de plus en plus compliqué de trouver des hommes bien et des femmes bien. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils vous envoient un mec? Ils cherchent, c'est-à-dire que pour chaque nana célibataire, ils cherchent un homme bien. Et pour chaque mec célibataire, bien, hein, parce que bon, après, vous savez, les ancêtres, ils ont la normalité, hein, et ben, ils cherchent celui qui vous correspond. Et ils vous disent, c'est compliqué, hein. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, c'est compliqué, hein. Parce que, si vous saviez tous les cas possibles et inimaginables qui sont tordus, mais vous le savez pas. Mais vos ancêtres, Dieu les a, eux ils savent. Et puis alors, il y en a, ils ont beaucoup souffert, beaucoup plus que d'autres, et ils veulent vous envoyer un homme bien et une femme bien. Du coup, il faut avoir de la patience. Mais il y en a, ils sont au bout du rouleau. Vous n'allez pas vous mettre avec n'importe qui. Vous voulez qu'ils vous envoient quelqu'un qui a des addictions? Ou quelqu'un qui va vous tromper? Ou des pervers, ou des perverses narcissiques? Si vous voulez, vous envoyez, hein? Mais vous allez pleurer. Alors, vous voulez quoi? Pas mieux d'attendre? Choisissez, hein. Ils vous entendent, hein. Ah, mais si. Ouais, je vous jure, ils vous entendent, hein. Ah, mais si. Vos ancêtres vous entendent. Là-haut, ils vous entendent. Tout le monde vous entend, hein. Oui, vos prières, oui, que vous faites.
Ils entendent tout, hein. Bref, ils entendent. Et pour des hommes et des femmes qui attendent un homme ou une femme bien, qui arrive dans leur vie, ben là, on me dit que, ah ouais, ils vont arriver. Ouais, ils arrivent. Alors, c'est difficile de vous dire quand, mais ils arrivent. D'ailleurs, il y en a, ils ont énormément souffert. Oh là là. D'autres à côté, c'est de la bagatelle. Mais bon, vous savez, comme ils disent les ancêtres, chacun voit le niveau de souffrance. Puis, il y a des tranches d'âge aussi. Et là, la priorité, en tout cas, c'est ceux et celles. C'est bizarre, on dirait que c'est tous ceux et celles que ça fait très longtemps qu'ils sont seuls. Ouais. Pas, même les. Oui, après, il y a les tranches d'âge, mais c'est. Ceux et celles qui ont énormément souffert avec hommes, femmes, des hommes qui. Des femmes, des hommes, il y a les deux, hein, qui ont été avec des pervers ou des perverses narcissiques, ou ceux et celles qui se faisaient frapper, hommes-femmes, ou ceux et celles qui étaient avec des mecs ou des nanas qui les battaient, etc., etc. Et encore, j'en passe des vertes et des parmures. Tous ceux et celles qui ont énormément. Ah oui, si, parce que vous savez, au niveau des souffrances. Tout ça vous disent, ah non, mais moi j'ai souffert. Hein. Ouais, bah, il y a des gens, que, par exemple, autour de vous, qui ont beaucoup plus souffert que toi, nana ou mec. Hein. Ah, mais ça, hein. Mais bon, ils nous en veulent pas. Hein. Mais non. Parce qu'ils nous aiment à tous et à tous, les ancêtres. J'avoue aussi. Et qu'eux, ils vous entendent de tous et tous dans vos prières et tout ce que vous demandez. Oh, quand c'est que. Ah, quand est-ce que je vais me sortir de cette situation avec ce salaud, cette salope, qui boit? Tout ce qui est les addictions. Ah, ils vous entendent tous. Ah, si. Alors là, ils vous disent que, en général, c'est eux qui vous lâchent. Toujours. Ah oui, parce qu'il y en a toujours, ils vous disent, il y en a qui disent, ouais, non, parce que oui, c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'ils se sont sortis de la cage. Et là-haut, ils vous disent, d'ailleurs, les ancêtres et tout. Non, 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 non. Mes filles, mes petites filles, mes anciennes petites filles, mes blablabla, et même des hommes. Non, non. C'est eux qui mettent fin à votre calvaire. Quand ils trouvent une nouvelle proie. Mais bon, ils vous donneront toujours une impression que c'est vous qui reprenez le contrôle de votre vie et que c'est vous qui les quittez. Mais tous vos ancêtres, et pas que, vous disent non, c'est toujours l'inverse. C'est juste qu'ils n'ont plus besoin de vous. Mais quelle libération pour certains, c'est déjà fait, ça fait longtemps. Et d'autres, là, votre calvaire va finir. Et vous aurez l'impression que c'est vous qui avez pris le contrôle de votre vie. Non, c'est eux qui disent basta così. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre proie. Alors, c'est dur de se dire qu'il y a des personnes qui vont. Oui, que tout le calvaire que vous avez vécu avec des mecs ou des nanas, quelqu'un d'autre va le vivre. Mais c'est parce qu'eux, ils vous veulent plus. Vous les intéressez plus. D'ailleurs, en général, ils vous laissent dans un sale état. Il va falloir vraiment du temps pour remonter et reconstruire toutes vos vies. Pour ceux et celles qui sont tombés et qui étaient avec des pervers narcissiques, des drogués, des alcooliques, même des fois. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, il fallait passer dans le lit. Il y en a, ils s'en sont sortis. Il y en a, ils y sont encore.
Et on dit que vous allez sortir de ça. Mais c'est eux qui vous abandonnent. Jamais l'inverse, ne croyez pas. Bref. C'est juste qu'ils n'ont plus besoin de vous. Et en général, ils vous disent, vos ancêtres, que c'est eux qui mettent fin au calvaire. Mais que vous avez toujours l'impression que c'est vous. Mais non, c'est eux. Donc là, il y en a, ils vont sortir de l'enfer dans lequel ils sont. Seulement, il va falloir tout reprendre à zéro. Et que quand ça t'arrive, c'est pas facile. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'identité. Vous aurez l'impression que vous ne savez plus rien faire. Vous ne saurez plus par où commencer. Et en général, là, on vous dit que il faut. Il va falloir que vous. Que d'abord, vous refassiez une santé physique et émotionnelle. La priorité, en général, c'est pas l'amour. Non. C'est reprendre pleine possession de votre identité première et redevenir les hommes et les femmes que vous étiez avant de les rencontrer, ces mecs ou ces nanas. Et en général, on a honte. Honte de demander de l'aide. Honte de dire ce que le calvaire qu'on a vécu avec ce genre d'homme ou de femme. Pourtant, il n'y a pas à avoir honte. Hein. C'est-à-dire, non. Il n'y a pas à avoir honte de dire. Et puis en général, là, il y en a. Et là, vous êtes même mis à dos toute votre famille hein, pour ce genre d'individu. Allez voir vos proches quand ils vont vous lâcher. Allez voir vos proches, vos familles. Et expliquez-leur votre horreur que vous vivez tous les jours chez vous, avec ces hommes ou ces femmes. Expliquez-leur. Vous n'avez pas à avoir honte. Je vois des femmes, mais les femmes, vous arriverez plus à en parler. Il y a des hommes. Et que pour les hommes, c'est une inversion. C'est plus dur. Ben non. Non, parce que vos familles vous aiment. Et ils vont comprendre. Donc là, il y a la fin du calvaire pour des hommes et des femmes qui arrivent. Ils vont, oui, vous quitter, eux. Donc, allez voir vos familles. Même les hommes, il n'y a pas à avoir honte. Et expliquez-leur tout ce que les horreurs que vous avez vécues auprès, par exemple, de ces femmes. Il y en a plein. Mais les hommes. Ont honte, si. Ben, si. Parce que c'est des hommes. Et être sous l'emprise, soit de femmes perverses, ou de femmes qui boivent, ou de femmes qui se droguent, parfois même les trois, ben, c'est dur. Qui te frappe. Et qu'ils ont plus de force, mais ils ne veulent pas les frapper, parce que s'ils les frappent, ils les tuent. Et c'est dur pour les mecs. Mais il y en a. Pour les femmes, quand c'est inversé, c'est pas pareil, parce que c'est des femmes. Donc, vous n'avez pas à avoir honte à vous confier à vos familles. Ils vous comprendront. Après, ceux qui vont avoir du mal à comprendre, c'est comment vous avez réussi à cacher ça aussi longtemps. Et que vous auriez dû de suite leur en parler et pas attendre autant pour certains. Bref, en tout cas, on me dit ça.
Et je sais pas, mais je pense qu'ils vous répondront pas. Non. Non, parce que eux, ils vont pas comprendre. Qu'est-ce que vous leur voulez? Donc, je vous conseille d'aller les voir directement. C'est. Que ce soit les hommes ou les femmes qui ont vécu tout ça. Quand vos bourreaux vont vous lâcher. Ils vont vous lâcher. C'est horrible. Même sexuellement, hein, que ce soit des mecs ou des nanas. Hein, c'est-à-dire que quand ils te sifflent, tu es un esclave sexuel. Bref, n'hésitez pas. Allez les voir jusqu'à chez eux et chez elles. Vos familles. etc. etc. Ils se mettent même à dos toute leur famille. Leur famille, leurs amis. même souvent des ex. Avec, sans enfants. C'est horrible. Hein. Mais pour les hommes, c'est le pire. Donc là, il va y avoir des libérations de ce que je vous explique. Et il va falloir que vous alliez voir vos familles. Mais il y en a, ils vont vraiment avoir du mal à vous croire. Et pourtant, c'est la réalité. Et tout ce qu'ils vous diront, ben, ils ne vous mentiront pas. Hein. Non, pas ceux-là, en tout cas. Parce que souvent, il y en a qui pensent que c'est, ouais, c'est pour se racheter une conscience. Que c'est pour qu'on leur pardonne. Pour que... oui, vous voyez. Qu'on a tourné le dos pour un mec ou une nana. Mais ils vous... c'est un travail de petit, c'est très psychologique et que malheureusement, bah, tu tournes le dos à tout le monde pour ce genre d'hommes ou de femmes, et peu importe les âges. Et que je vous jure que quand ils le réalisent, bah, c'est trop tard, le piège...